Mon très cher frère, Agi le King, le Kalumka, mon très cher frère, j'ai vu ton direct, ta vidéo que tu as faite sur l'UFDG, sur Elhaj Sellou Dalengalo et sur sa femme Hadia Alimat Dalengalo. Mon frère, j'ai deux critiques à faire à travers ta vidéo. J'ai deux critiques à faire par rapport à ta vidéo. Le premier critique, je vais te critiquer toi, mon cher, Agi le King. Le deuxième critique, c'est l'UFDG que je vais critiquer. Bien avant cela, j'aimerais m'adresser à tous les influenceurs de la Guinée qui se sont prononcés sur cette affaire. À tous les blogueurs, il n'y a pas d'influenceurs en Guinée. Il n'y a pas d'influenceurs en Guinée. C'est à tous les blogueurs. Parce que, pourquoi je dis il n'y a pas d'influenceurs? J'ai vu beaucoup de blogueurs de la Guinée et de l'UFDG qui sont sortis, qui ont parlé de ça, nanani, nanana, des trucs comme ça. Dire qu'il faut soutenir par conviction. Il faut soutenir par conviction, pas par amour, pas pour un retour. On est tout à fait d'accord, il n'y a pas de problème. On est tout à fait d'accord. Mais quand vous sortez pour parler, il faut parler aussi la vérité à l'UFDG, pas seulement à Agi le King. C'est pour cela que je dis, il n'y a pas d'influenceur en Guinée. Ils parlent de conviction à Agi le King, alors que eux, ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas par conviction qu'ils soutiennent l'UFDG. Parce que si c'est par conviction, vous auriez dit, dites la vérité aussi à l'UFDG. Pas seulement à Agi le King. Qui c'est qui soutient ici par conviction? Qui parmi nous tous? Je ne m'enlève pas là-dedans. Peut-être vous qui allez regarder cette vidéo, vous allez m'enlever peut-être. Je ne vais pas m'enlever. On est tous ensemble. On est tous pareils. Qui c'est qui soutient ici par conviction? Qui? Tous les blogueurs de la Guinée. Peut-être. Il y en a parmi nous qui soutiennent l'UFDG parce qu'ils voient que c'est l'UFDG qui est proche du pouvoir. Une fois que l'UFDG arrive au pouvoir, peut-être j'aurai mon gagne-pain. C'est ça l'idée-là qui est dans certains blogueurs de l'UFDG aujourd'hui. Il y en a aussi qui sont dans l'UFDG parce que je suis dans l'UFDG, parce qu'on a rejeté plein de fois mon ethnie d'être président de la République en Guinée. Alors je me battrai pour. Il y en a, ils font pour ça. Parce que c'est leur ethnie qui sont ségrégées. Ils veulent coûte que leur ethnie arrive au pouvoir. On connaît tout cela. On connaît tout cela. On a vu tous les blogueurs. On connaît tout cela. Alors, si vous ne dites pas la vérité à toutes les deux parties, laissez Agi le King tranquille. Mon premier critique, c'est à toi mon cher, mon très cher Agi le King. Tu n'avais pas à faire cette sortie, mon frère. Tu n'avais pas à faire cette sortie. La façon dont tu as parlé, il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Il ne fallait pas. Ça, c'est clair et net. Même si l'UFDG te rejette aujourd'hui, ils ont fait beaucoup pour toi. Et là, c'est Sellou Dalengalo est venu chez toi. Il s'est déplacé pour toi. Sa femme, elle s'est déplacée pour toi. Peut-être il y a quelques monnaies qu'on t'a données. Ils ont payé quelques mois de ton loyer. Ils t'ont aidé quelque part, ils t'ont aidé. Bien sûr. Tu as de la chance. Pour ceux, en soutenant quelqu'un, il faut. C'est pour cela, un jour, je t'ai appelé. Je t'ai dit, mon frère, ne mets pas ta vie en danger pour la politique. Tu ne connais pas la politique. Fais attention, mon frère. Il faut soutenir
la vérité. Soutiens la vérité. Tu ne vas pas être déçu. Sinon, la politique, tu seras déçu après. Fais attention. Mets pas ta vie en danger. Tes enfants ont besoin de toi. Pour quelconque. Prends exemple sur ceux qui sont morts en Guinée, là, pour ces politiques-là. Est-ce qu'ils parlent pour ces gens-là? Le jeune forestier qui a été tué le temps d'Alpha Condé, Bamba, qu'est-ce qu'elle est devenue sa famille aujourd'hui? Est-ce que ces politiques la regardent sa famille? Je t'ai dit, fais attention. Et il faut soutenir par conviction, soutiens la vérité. C'est ce que je t'ai dit. Ne soutiens pas pour un éventuel retour. Non. Sinon, tu seras déçu. Je t'avais dit cela. Tu n'avais pas à faire cette sortie, mon frère. Tu n'avais pas à le faire. Je te dis un exemple. Moi, Bob Move, je ne dis pas que je suis le meilleur de tous les influenceurs de la Guinée. Mais la façon dont je fais mon combat, wallah, je ne serai jamais déçu. Et là, c'est Loudal Ndiallo, je l'ai soutenu parce que je sais que c'est lui qui peut faire quelque chose pour ce pays. C'est pour cela que je l'ai soutenu. Je ne le soutiens pas pour un éventuel retour. Je ne le soutiens pas pour que, quand il arrive au pouvoir, qu'il le reconnaisse pour moi ou pour avoir quelque chose. Non. Sinon, je ne critiquerai pas l'UFDG. À chaque fois, l'UFDG passe à côté. Je suis toujours là à critiquer l'UFDG. Les choses qui ne sont pas bien de l'UFDG, je critique. Si l'UFDG fait quelque chose, j'apprécie l'UFDG s'il fait des bonnes choses. Moi, je suis un influenceur libre. Et j'ai eu 3 décès dans ma famille. Mes propres sœurs, de même père, même mère, ils sont décédés de ma famille. J'ai posté ça sur ma page. Ni Elaj Seloudal Ndiallo, ni sa femme, ni les membres, ni le bureau de l'UFDG. Personne ne m'a envoyé même un petit message pour me dire toutes mes condoléances, pour me présenter les condoléances. Personne ne l'a fait. Dans le bureau, ni le président, ni sa femme, personne ne l'a fait. Mais cela n'a pas freiné mon combat pour ce grand homme. Parce que si tu fais le combat, il faut faire le combat pour le pays, pas pour une seule personne. Cela n'a pas freiné mon combat. Si je ne m'abuse, c'est en 2023 là que Haga Al-Maddal Ndiallo s'est abonné sur ma page. C'est en 2023 là. Après combien d'années de lutte pour l'UFDG? Personne ne m'a présenté ses condoléances. Si vous voulez vous renseigner de quelqu'un, abonnez-vous sur sa page et vous appuyez sur la cloche de notification pour recevoir ses vidéos et ses directs en temps réel. Pour vous renseigner de ce dernier. C'est ça la vérité. Mais personne ne l'a fait. Mais moi, je ne soutiens pas l'UFDG. Je l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos. Je ne soutiens pas l'UFDG. Je soutiens, et là, c'est le Dangalos. Je sais que parmi tous les opposants de la Guinée, c'est lui qui peut faire la Guinée, sortir la Guinée de cette détresse où elle est aujourd'hui. Je le dis souvent. Et là, c'est le Dangalos. Une fois, il nous dira qu'il n'est plus à la tête de l'UFDG. Je partirai de l'UFDG ce jour-là. J'ai ma carte de membre de l'UFDG de Paris. Voilà. En ce qui concerne l'UFDG, mes frères et sœurs du bureau de l'UFDG, très chers militants et militantes de l'UFDG, et là, c'est Loudal Ndiallo et sa femme Haga Al-Maddal Ndiallo. Comprenez une chose. Il y a beaucoup de personnes dans l'UFDG aujourd'hui, c'est grâce à Agi le King, le combat de Agi le King. Je ne vous dirai pas que Agi le King est seulement le meilleur. Il y a des meilleurs influenceurs de l'UFDG. Mais le meilleur des meilleurs, le meilleur des meilleurs, le blogueur le plus influent de l'UFDG, c'est Agi le King. Si vous voyez qu'il y a plus de personnes, aujourd'hui, il y avait beaucoup de peuls
beaucoup de peuples qui ne soutenaient pas l'UFDG, qui ne soutenaient pas Ilaselu Dalenganyo. Mais à travers le combat de Haji le King, beaucoup de gens se sont approchés de l'UFDG. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'UFDG, c'est grâce à Haji le King. Le combat qu'il a fait pour vous là. Parce que les radios sont fermées, les télévisions sont fermées en Guinée. Ceux qui disent la vérité, ceux qui montrent la vérité aux gens. Les radios et les télévisions des Guinéens aujourd'hui, c'est des influenceurs qui sont sur la toile aujourd'hui là. Ils se connectent, c'est sur eux là, ils se connectent. Haji le King a beaucoup fait pour vous. Ce qu'il est en train de vous demander là. Même si vous faites voyager toute sa famille, vous n'allez pas payer Haji le King de tout ce qu'il a fait pour vous là. Vous n'allez pas lui payer. Ce qu'il a fait est énorme pour votre parti. Pour notre parti. Ce qu'il a fait là, c'est énorme. Pour notre parti, l'UFDG. Alors comprenez cela. Il a risqué sa vie pour l'UFDG. Aujourd'hui, on lui cherche pour lui bouffer, pour le tuer. Pensez à cela. Haji le King est dans une situation aujourd'hui. Ses enfants et sa femme ont besoin de lui. Il a juste demandé d'être protégé. D'être protégé. Dire que oui, de me faire sortir du Sénégal, si c'est l'Europe il veut. Haji le King était en France ici, avant de se retourner en Afrique. Il était en France. Il est même venu jusqu'à Limoges. Mon fief. Il était même venu jusqu'à Limoges, mon fief. Mon fief, il était là en France, Haji le King, mais il s'est retourné. Par rapport à la dureté de l'Europe, il s'est retourné. Mais moi, si je le comprends très bien, il demandait juste sa protection. C'est ce qu'il faut comprendre. Sa sécurité avant tout, l'amener en Europe. Moi, je ne serai pas pour. Si c'est ce qu'il veut, il est mal passé à côté. C'est pas, parce que quand tu parles de l'Europe, on peut te mettre en sécurité, même si c'est pas dans, enfin, même si c'est pas en Europe. Ça peut être un des pays africains. Mettez-le en sécurité. Il s'est mis en danger pour l'UFDG. Pour l'UFDG. Ne le lâchez pas aujourd'hui. Ne le lâchez pas aujourd'hui. Ne le lâchez pas aujourd'hui. Même si Haji le King est parti, ce que je vais dire à la première dame, maman Hadja Alimatou Dalenghello, c'est les dames, c'est les femmes qui sont fortes. C'est les femmes qui sont écoutées. Approchez-vous, madame, à votre mari. Appelez-le. Vous allez discuter. Vous allez vous comprendre. Le combat qu'il a fait pour l'UFDG. Ne mettez pas ce combat-là dans l'eau. Ne mettez pas tout ce combat-là dans l'eau. À cause d'une seule vidéo. Lui, il a fait le combat pendant combien d'années? À cause d'une seule vidéo, ne mettez pas tous ces combats-là dans l'eau. Sinon, ça va faire peur à d'autres personnes qui viendront qui ont l'intention de venir soutenir l'UFDG. Qui ont l'intention de venir soutenir l'UFDG. Moi, je reçois beaucoup de messages vocaux des gens qui étaient dans l'UFDG. Ils sont sur la toile, je ne peux pas dire c'est le nom de ces gens-là. Qui m'ont dit, vous allez soutenir l'UFDG, mais un jour vous allez partir. Parce que nous étions dans l'UFDG. Ce qu'ils nous ont fait, c'est ceci, c'est cela. Ils ne considèrent que leur propre frère Paul. Et nous, toi qui n'es pas Paul parmi eux, ils ne vont pas te considérer. Combien de fois on a reçu des vocaux, des messages vocaux comme ça. Mais moi, je m'en fous de tout cela. Je ne cherche pas de considération, je ne sais pas, de retour. J'ai répondu à cette personne que peut-être toi, tu as soutenu l'UFDG en attendant un retour. C'est pour cela que tu as été déçu. Moi, je ne serais... Moi, le combat que je fais, c'est un combat pour la Guinée.
pour la vérité. Ce n'est pas un combat pour une personne. Ce n'est pas un combat pour un retour. Je ne sais pas. Non. Alors, maman Aïda Alimatu Dalengalo, ce problème-là est dans votre main. Ce problème-là est dans votre main. Essayez d'appeler Agile le King, vous allez vous réconcilier. C'est ce qui sera meilleur pour toutes les deux parties. Pour toutes les deux parties. Ce n'est pas Agile le King qui a créé l'UFDG. Mais c'est grâce à lui, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui sont venues dans l'UFDG. Parce que grâce à son combat sur la toile. Et le combat d'autres influenceurs. Bon, je vais l'appeler, je vais parler comme ça. D'autres influenceurs. Merci de prendre ce message en considération, maman. Merci pour votre aimable attention. Merci d'envoyer cette vidéo à Aïda Alimatu Dalengalo. Merci de l'envoyer à Ella Selou Dalengalo. Merci de l'envoyer à tout le bureau de l'UFDG. Tous ceux qui leur soutiennent aujourd'hui ne soutiennent pas la vérité. Ils soutiennent juste pour un éventuel retour. Merci pour votre aimable attention. Vive la Guinée. Vive l'UFDG. Et vive la réconciliation de l'UFDG et Agile le King. Je vous remercie.